Coucou Calice. Comment ça va? Ça va. Bon, alors aujourd'hui, pour la première fois, tu voulais faire ça. Ce sont des œufs, d'ailleurs, pour le coup, parce que Pâques, c'était il y a quelques jours, mais avec du super sand à l'intérieur. Et a priori, dans chaque œuf, il y a un moule différent. Donc tu pourras faire, ben voilà, tu pourras jouer au bac à sable sur la table. Et c'est qui va tout nettoyer après? C'est papa. Donc il y a un œuf jaune, un œuf vert et un œuf orange. Voilà, il y a marqué top 10 Spitzbug 2014, donc il a eu un prix ce jouet. Donc voilà, mais tu as déjà essayé le Super Sand à Kid Expo. Cliquez sur le petit i en haut à droite pour voir ça. On va faire un jeu, Calice. Tu vois le verre où il est? Mm-hmm. Attention, tu le suis bien. Il est où le verre maintenant? Waouh! Mais qu'est-ce que t'es bête! Bah non, mais c'est bien, bravo! T'es très observatrice, hein. En fait, okay. Je pensais qu'il était là, moi, tu vois. C'est fou, ça. Allez, on a suffisamment joué. Maintenant, on peut commencer. Ah, c'est la première fois qu'on ouvre ça sur Studio Bubble Tea. Ah non, il y a du sable, mon Dieu. J'ai peur. Alors, vas-y, montre au petit copain la texture. En fait, non. Alors, pour l'instant, effectivement, on dirait que c'est pas très très sale parce que c'est comme du sable magnétique, en fait. Tu as un petit moule qui représente quoi? Un œuf, oui, d'accord, mais l'autre truc, ça représente quoi? D'accord, je vais voir. Voilà, regardez, petit copain. Je sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de le faire, mais honnêtement, si vous avez une terrasse, un jardin, ou sinon un grand récipient, en fait, pour jouer sur la table, voilà, c'est vraiment, c'est vrai, c'est très sympa. Oh, un lapin! Petit lapinou! Pour le tout. Regardez, petit lapinou. Bon, moi, j'ouvre l'autre. Le petit lapinou, on peut le mettre sur un doigt. Voilà. Mais tu peux en faire autant que tu veux. Alors. Bon, maintenant je vais prendre le troisième. Ah, la poulet. D'ailleurs, à partir de quel âge c'est? Ah, c'est à partir de 4 ans. Bon, Athéna n'a pas encore 4 ans. Oh, regardez les petits copains, ce moule, c'est quoi? Un canard. C'est un petit piou-piou. Regardez le mouton. Est-ce qu'on peut mettre les deux moules différents dessus? Non, on peut pas. Ah, c'est dommage. Ça aurait fait un animal moitié mouton, moitié lapin, un laton. Ou alors un moupin. Tiens, merci. Du sable en plus. Et du sable en plus. Voilà. Oh oui. Oh boum. Non, ça me rappelle quand on a fait les bonbons en forme d'œuf avec des Playmobil à l'intérieur. Ouais, c'est bien, tu fais des châteaux de sable. Si tu veux, on fait un jeu. Chacun notre tour, on essaye de mouler un truc et on devine ce que c'est. Le plus rapidement possible. Et c'est parti, j'ai mis le chronomètre. Je vais voir en combien de temps je reconnais ce que tu es en train de faire. Vous aussi, petit copain, un jouet. Alors c'est parti. Je te dis un gros caca. Non. Oh. Un boudin blanc. Non. C'est facile. Des menhirs. Non. Alors, pourtant, on dirait un dolmen. Est-ce que c'est vivant? Non. Ah, l'Arc de Triomphe. Voilà. Top. 35 secondes 68, c'est pas mal. À toi. Ça va être un youtubeur. Toi? Moi? Un youtubeur. Athéna? Non. Personne n'y fait sa cuisine. Mais Jirachi, pas de bout de cuisine. Toi, un food. J'ai aucune idée là. Le truc là. Ouais. Oui, mais je sais plus comment il s'appelle. Ah, t'as trouvé. C'est celui qui t'a fait des bras de fer ou pas? Ouais. Ouais, c'est Thibaut Inchep. Bravo, j'ai fait une halter, regardez, petit copain. C'est trop facile. En moins de 30 secondes, t'as trouvé Thibaut Inchep en sable. Bravo. Tu veux essayer aussi un youtubeur? Ouais. Alors, top chrono. T'as mis combien? T'as mis 33 secondes. Voyons, c'est vachement bien. Passe goût de cuisine, ça c'est un bol, non? C'est un bol, en tout cas, on dirait un bol. C'est pas fini. Ah, c'est une poêle. Virginie, je fais sa cuisine. Oui. En fait, c'était une casserole, mais en fait, le truc, il tient pas. Ok. Pour le coup, je t'ai battu. Wouh. Allez, les youtubeurs en sable, qu'est-ce que je vais trouver? Top chrono. Voilà, je vais jouer un petit peu sur l'astuce parce que je sais pas du tout quoi faire. C'est quoi ça?
pois, poca, rantas, poki. Poki. Bien, ouais, je vais pas avoir assez de place sur la table pour écrire ça. Et je suis sûr que les petits copains dont tu as trouvé. Poki quoi? Pokim? Mais c'est quoi ça? Pokémon. Et donc Pokémon, ça sert à rien que je continue. Alors, qui fait des Pokémon? Jirachi. Ouais, alors on va dire oui. On va dire oui, je pensais plus à David Lafarge, mais on va dire oui, allez, l'un dans l'autre, c'est pareil, hein, si j'ose dire. Donc, ouais, bravo. Ils sont mariés, quoi. 1 minute 15. Alors, moi... Donc j'ai gagné. Encore un YouTuber? Ouais. Ah déjà, c'était pas évident avec les Pokémon, parce que j'arrivais pas à dessiner Pikachu, que je voyais pas trop comment faire. Donc j'ai écrit Pokémon. Ah non, ça va être super facile, en fait. Enfin, je crois. C'est parti. Qu'est-ce que c'est que ce truc, Alice? Une maison? Non. Un carré? Non. Bien, d'accord, t'as fait un carré, super. Ok. Là, c'est la caméra, on va dire. Normal, Cyprien? Non. I? Un i? Non. Okay. C'est pas évident de filmer à la fois Calice et ce qu'elle est en train de faire. Un siège, oh là, mais il faut que je trouve. Il y a une télé, il y a un siège. C'est quoi? C'est qui? Ah, c'est pas Minute Papillon, tu connais pas. C'est quoi ça, Calice? C'est pas trop facile. Je fais mal qu'il est sur le truc. Et ben le tube? Non. Voilà, ça ressemble plutôt au Simpson. Non. C'est le truc. le truc. Ouais. Quand il se met tous sur le canapé dans le générique. Mais c'est pas le truc, il se casse la figure ton canapé. Putain, mais une chienne avec un canapé. Cyprien Gaming, il joue à deux sur le. C'est pas ça? Non. C'est pas du jeu vidéo? C'est une chaîne de jeux vidéo? Si! C'est une chaîne de jeux vidéo? Un studio Bubble Gaming! Voilà! Venez, allez, le truc! 2 minutes 19! What? Mais oui, bien sûr, j'ai Calice là! Et là, c'est l'écran! Mais oui, là, c'est l'écran! Je suis nul, moi! Ouais, on dirait bien! Studio Bubble Gaming! Abonnez-vous hein, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne de jeux vidéo! Uniquement pour enfants! Donc, à mon tour! Ok, tu veux jouer à ça. D'accord, tu veux jouer à ça. Ok, tu veux jouer à ça? Eh bien, on va jouer à ça. Attention, c'est une chaîne YouTube, hein, toujours. C'est parti. Une chaîne? Pas une personne? Non, c'est une chaîne. Votre bout de cuisine, là? Non. C'est quoi ça? Un bonhomme de neige. Mais c'est un bonhomme de neige. c'est quoi? Oui. O. Non, 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 c'est pas une lettre. Couper un couteau. Ouais. Après j'ai fait ça. Mais c'est pas de bout de cuisine. Non. Super, j'ai fait sa cuisine. Encore une fois. Non. Si t'as trouvé le couteau. Est-ce que j'ai une chaîne de cuisine? Pas vraiment, mais on mange dessus en tout cas, ouais. Miam food. Mais oui, miam food. Mais oui, bravo. Ouais, t'as fait mieux que moi quand même. Hein. Mais je t'ai bien aidé avec mes indices. Ok, t'es prête? Ouais. C'est parti. C'est une chaîne YouTube? Oui, mais c'est un super piège. Une poule? Non. Non. C'est un piège. Hein. Un bonhomme de neige? Oh. Non. Non. Je vais essayer de le faire de ton côté. Mais attends. Oh. Qu'est-ce que c'est que ce truc, Calice? Et une minute déjà, c'est écoulé. Mais alors, t'es quand même nettement meilleur que moi pour deviner. Pourtant, moi, je suis pas forcément meilleur que toi pour faire les trucs. On va dire que c'est une personne parce que je connais pas le nom de la chaîne. Attends, je vais mettre du relief. Je vais rembourrer un peu. Est-ce que c'est une chaîne de jeux vidéo? Non. Bon, de cuisine? Non. Pour s'amuser? Non. Non plus. Pas vraiment, en fait. Mais c'est un piège, hein, je te dis. C'est une chaîne pour enfants? Pas vraiment. C'est une chaîne YouTube quand même, hein? Ouais. C'est un igloo? Mais tu vois pas. C'est un igloo? C'est une chaîne YouTube. Un igloo, c'est pas une chaîne YouTube. Des toilettes? Non. Non, c'est pas ça du tout. Ça
c'est gros, hein, le truc là. C'est gros et c'est plus ovale. Ça, c'est un objet, ça? Non, pas. Si, enfin, qui s'enlève comme ça. Il y a des personnes ici, dessinées. C'est quoi ton truc? Et là, c'est quoi ça? Ça, c'est le haut, pour l'ouvrir. C'est pour l'ouvrir? Un Kinder? Oui, mais quel genre de Kinder? C'est celui de Bubble Tea. Non, je t'ai dit, c'est un piège! On est déjà à 2 minutes. Ah ouais, mais là, j'ai, là tu m'as bien eu, là. C'est en rapport avec les Kinder? Non. C'est, je sais pas, David Lafarge? C'est David Lafarge? Oui! Ah, est-ce qu'il a fait une vidéo Kinder il y a pas longtemps qu'on a regardé? 3 minutes, oh là là, je suis nul. T'es nul. Oh. Bon, à toi. À moi. J'adore ce jeu de devinettes. C'est encore mieux que là, il y a pas longtemps là. Akinator, ouais. Le génie. Ouais. Encore mieux. Kiki aussi son petit, il y a beaucoup de vie dans cette vidéo. Allez, celle-là tu vas la deviner en 5 secondes. Même pas. Même pas. Attention. Fat Boot Cuisine. C'est parti. Ouais, bravo. Une seconde, j'ai rien fait, bravo. Non, ça compte pas, ça compte pas. C'est ça que je voulais faire. Voilà, attends, on va réfléchir un petit peu plus. Et si vous connaissez les youtubeurs, mettez un petit commentaire. Ouais, si vous les avez reconnus, ouais, bien sûr, mettez un petit commentaire. Encore une? À toi, allez. Ça sent pas quand même. Ok, d'accord. J'adore ce jeu, allez, on va jouer jusqu'à minuit. Bon, c'est par rapport à une vidéo que t'as vue au moins une fois, mais si tu dis la vidéo, bah ça, je le compterai bon, d'accord? Parce que des fois tu vois les vidéos mais tu sais pas forcément les chaînes. Donc c'est en rapport à une vidéo que t'as vue, que t'as trouvé rigolote. C'est parti, top chrono. Allez, je le fais comme si c'est toi qui voyais le truc, donc je le fais à l'envers. Une piscine? Un cocktail? Une glace? Non. Un X? C'est un bonhomme? Un chat? Une boule? Tu fais quoi? Une boule? Ouais. Un sapin de Noël? Ouais! Tu te souviens pas alors d'une vidéo avec un sapin de Noël? Un truc à ah oui! Quoi? Le truc là où ils ont compté toutes les aiguilles dans le sapin! Oui! C'est ça! Bravo! Non, c'est bon, j'ai compté toutes les aiguilles dans le sapin! 1 minute 53, c'était les questions cons! Ah, oh, je suis content! Allez, viens, je suis nul moi, 1 minute 53, c'est pas terrible! Attends! Ah oui, c'est vrai! Alors. Top chrono. Ah, c'est pas évident. Hein. Un sapin de Noël encore? Non. Un arbre? Non. Non? Un poisson? Non. C'est une chaîne YouTube, je te dis. EvanTube? Français. Enfin, non, pas français. Bon, enfin, celui qui le fait est français, je veux dire. Mais il n'y a pas de parole dessus. Batman? Danny! C'est ça? Où est-ce qu'on a vu une chaîne Batman? Ok. Enfin oh là, mais t'es trop forte, hein. Oh bah bravo Calice, hein, t'es vraiment la meilleure. Je peux faire un truc. Bah écoute, tu vas jouer maintenant hors vidéo. J'espère que tes copains vous avez aimé parce que mine de rien au tournage, elle a duré pas mal cette vidéo, c'est bien amusé. Hein. Ah ouais. On va peut-être pas tout mettre au montage, toutes les devinettes qu'on a faites, mais waouh, c'est bien éclaté. J'espère que vous aussi, vous avez essayé de chercher les youtubeurs avec nous. C'est compliqué, mais c'est rigolo. Allez, devine ça. On va faire un Draw My Life avec du Sam. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo de Calice. Mais d'ici là, qu'est-ce qu'on dit à tous les petits copains qui nous regardent? Au revoir. Et surtout, abonnez-vous. Et laissez des petits commentaires. Et des petits pouces bleus. Ça marche, et bien gros bisous, Calice. Et à demain. Ciao, ciao. Ciao. C'est un château gonflable. Non. Okay. Ah, je sais. C'est quoi? C'est un drone. Ouais. À toi. Ah, bravo, Calice. Regardez la texture, c'est vraiment très bizarre. On dirait presque du pain. Moi, oh, c'est vraiment trop drôle. Voilà, j'aime bien. Plus ça salit finalement, pas tant que ça. Si vous aimez les devinettes plus le Super Son, alors vous allez aimer les devinettes en Super Son.